Alors, le premier principe, c'est ne pas pratiquer sans prendre attache auprès de son médecin pour savoir s'il y a des contre-indications et s'il y en a, quelles sont les limites à cette pratique. Ensuite, quand on n'a pas travaillé depuis très longtemps et qu'on n'a pas bougé depuis très longtemps pour des raisons diverses, professionnelles ou autres, de santé, il faut reprendre de façon progressive. Avec ça, c'est un principe fondamental. Donc, individualiser par rapport à ses capacités, progresser régulièrement en intensité, en durée, et respecter le plaisir, le principe de plaisir. Sans plaisir, il n'y a pas de progrès. Sans progrès, il n'y a pas de plaisir.